Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un très grand classique de la pâtisserie, la pâte brisée. Dans le batteur, avec le crochet cette fois-ci, on a déjà utilisé le cas, hein, la feuille en fait, on a utilisé le fouet, maintenant on utilise le crochet, parce que là c'est plus pour pétrir. Donc, la farine. On n'oublie pas toujours dans les recettes de pâtes en pâtisserie, que ce soit la pâte à choux, que ce soit les pâtes sablées, la petite pincée de sel. Ça, c'est pour éviter que ce soit fade et ça donne aussi une belle coloration. Ensuite, on va mettre le beurre. Alors là, c'est un beurre légèrement à température ambiante, hein, encore un petit peu ferme quand même. On va commencer d'abord par mélanger un peu tout doucement. Hein. À ce stade, quand on voit que le beurre et la farine forment quelque chose d'assez homogène. On a comme ça des sortes de petites perles qui sont faites, un petit peu comme si on faisait à la main, en fait, tout simplement. Ben là, on va commencer par ajouter l'eau petit à petit. On doit obtenir une pâte qui se décolle des parois du bol, en fait. Hein. Donc, ne mettez pas l'eau trop vite, parce qu'on a l'impression au début que c'est sec. Attention, il y a quand même du beurre, donc ça va, hein, ça va se mélanger. Hein. Donc, un tout petit peu d'eau. Voilà, une fois que ça se décolle comme ça, on va être bon. Hein. Ça forme une boule. Vous voyez, donc on a une boule qui se décolle. Donc on va, mais très légèrement, regardez ça, il y a un demi-gramme, hein, ça s'appelle fleurer en fait le plan de travail. Hop, un petit peu dessus. Et là, on va l'étaler. Pas trop trop fine, parce qu'on veut faire quelque chose un petit peu comme un sort de sablé breton en fait. Et ça, c'est une des utilisations que l'on peut faire de notre pâte sablée, bien sûr. Donc on fait bien pivoter d'un quart de tour à chaque fois, ça permet de l'avoir bien ronde. Puis on va venir la couper. On va prendre la taille de cette assiette creuse. Maintenant, elle va partir en cuisson à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes et puis on vérifie la cuisson ensemble. Voilà, ça c'est parfait. Là on a exactement ce que je voulais, on a une sorte de un petit peu de gros sablé comme ça. Superbe. On va voir si... Hop, voilà. Donc ça on va laisser refroidir. La pâte brisée n'a plus de secret pour vous. Envoyez-nous bien sûr vos idées de recettes et vos photos sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Martin Bonheur bien sûr. Et en attendant, je vous souhaite de bien cuisiner et surtout un bon appétit. À très bientôt, merci.